Donc voilà, bonjour à tous, donc c'est EGC, c'est Elliot Vulgarise. Me voilà dans une nouvelle vidéo, donc on va poursuivre cette série de vidéos que je vous ai promises sur le droit des biens. Donc nous sommes à une semaine après de Noël, donc c'est un peu le cadeau de Noël avant l'heure, le droit des biens. Bon. Donc vous l'aurez remarqué, aujourd'hui c'est un sacrilège, encore une fois, je n'ai pas mis de, vous voyez, de cravate, alors parce que c'est une chemise col Mao, vous voyez, on le voit un peu. Il n'y a pas de col, enfin il y a un col mais col Mao, donc c'est très difficile ouais, de mettre une cravate dans un col Mao. Bon, j'en suis désolé parce que j'aime les cravates, donc voilà. Donc oui, alors voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous parlais de quelque chose que j'apprécie beaucoup, peut-être le truc que j'apprécie plus en droit privé, c'est ce qu'on appelle la théorie du patrimoine. Alors, déjà dans un premier temps, c'est un peu la légalité criminelle du droit des biens. Très clairement, c'est vraiment, c'est ce qui va, c'est l'essence même de ce droit. Voilà, pour donner l'exemple. Alors, qu'est-ce le patrimoine? Alors le patrimoine, finalement, c'est un ensemble de droits. De droits qui sont associés à la personnalité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale. Alors, d'un premier temps, il y en a deux types, finalement, dans votre patrimoine, vous avez deux types de droits. Vous avez finalement les droits patrimoniaux, donc c'est eux qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui, et extra-patrimoniaux. Alors, extra-patrimoniaux, ce sont un peu qui ont été inventés par un juriste allemand, donc j'oublie le nom, au 19e, pendant le 19e siècle, donc c'est typiquement le droit à la vie privée, etc. Donc aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas du tout, parce que c'est le droit de la famille de l'an dernier de la L1, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est le droit patrimonial. Alors, le droit patrimonial, dans les droits patrimoniaux, il y a deux grandes familles de droits patrimoniaux. Il y a ce qu'on appelle les droits réels. Donc, c'est eux finalement qui vont nous intéresser le plus parce que res, c'est l'objet en latin. C'est les droits sur un objet. Pourquoi j'ai un droit sur mon téléphone portable? Mon téléphone portable, bah, parce que c'est un bien. Voilà. Et parce que j'ai une personnalité juridique qui me permet de disposer de droits permettant d'exercer finalement quelque chose, de le vendre. Voilà. On peut transmettre finalement ces droits réels. Vos droits extra-patrimoniaux, vous pouvez pas, ils sont intransmissibles, incessibles et imprescriptibles. On peut pas vous, je sais pas, vous prescrire, on peut pas vous interdire le droit à la vie privée. Vous pouvez pas vendre vos droits à la vie privée. Voilà. Dans certains états du monde, c'est possible. Bon. Voilà, donc voilà. Après, vous avez finalement ce qu'on appelle les droits personnels. Ça, c'est dans un droit patrimonial. Finalement, c'est quand vous êtes débiteur ou créancier d'obligations. Ce sont des obligations. Ce sont voilà, le fait de donner, le fait d'être créancier, le fait d'être débiteur, etc. Donc, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais même si c'est très connexe, c'est très lié, hein, finalement. Mais aujourd'hui, c'est les droits réels. Alors, les droits réels. Cette théorie du patrimoine, notamment la théorie du patrimoine patrimonial, donc on vire extra-patrimonial, on le met à côté, on n'en parle pas, sont été inventées en fait à la fin du 19e siècle par deux juristes. Deux juristes, c'était les deux Charles. Donc voilà, ils s'appelaient Charles, du coup il y avait Charles Aubry et Charles Réau. Donc le premier, je crois, était magistrat à la Cour de cassation et le second était juriste. Il était évidemment, j'ai le premier évidemment que j'ai dit, attention. Il y a un compteur à bien évidemment à côté de moi. Non, je plaisante. Voilà, il était magistrat et il y avait un prof de droit. Bon. Il était juriste, quoi. Et donc, en fait, ils ont inventé une théorie selon laquelle, en fait, votre patrimoine, vous le gardez à la vie. Dès que quelque chose a une personnalité juridique, un animal, enfin, un animal non, mais une société, elle a en fait, finalement, même si vous avez, voilà, si vous avez rien, si vous n'avez aucun bien, eh bien, finalement, vous avez quand même la capacité d'obtenir des biens, d'exercer des droits réels dessus. Voilà. Donc, c'est ce qui explique pour eux, finalement, c'est pour créer une théorie en fait, c'est plus pour le droit des successions, parce que dans les droits des successions, vous, finalement, vous, c'est, il y a ce qu'on appelle, finalement, il y a une confusion des patrimoines quand vous héritez. Alors, je passe les détails, mais par exemple, votre patrimoine va se conf va se va, je sais pas, va se lier, va, je sais pas comment dire, mais vous voyez, enfin, l'idée va se fusionner, j'oserais dire, avec le patrimoine du décujus. Donc, ça signifie plein de choses. Vous allez obtenir ses biens, vous allez aussi obtenir bah, ses créances, ses droits personnels. Donc, c'est-à-dire, évidemment, voilà, ses créances et quelquefois, bah, ses dettes. Voilà, ses dettes, évidemment, et c'est voilà. Donc, c'est pas cool. C'est cool, évidemment, parce que c'était une logique d'Aubry et Réau. C'était, il fallait absolument que, voilà, que. C'est impensable qu'un mec, enfin, qu'un type qui conclut un prêt avec un type qui va juste de mourir ne soit jamais remboursé. Il faut qu'il soit absolument remboursé. Et voilà, dans l'idée de Aubry et Réau, il y avait ça. Voilà. Sauf qu'en fait, eh bien, en fait, elle est contestée aujourd'hui, malgré qu'elle a été unanime et quasi unanime. Tout le monde est pour cette théorie du patrimoine. On pense qu'on est les meilleurs et nous sommes les meilleurs, les juristes français, dans ça. Ça a été copié dans plein d'États dans le monde. Nos amis helvètes, évidemment, ont ce droit, ont cette logique-là. Nos amis luxembourgeois ont cette logique-là, etc. Mais voilà. Il y a des atténuations dues finalement à l'inspiration anglo-saxonne, je le dis dans un ton un peu voilà, anglo-saxonne de notre droit,
Et notamment, je vais en parler de deux principalement. C'est le mécanisme du fiducie, donc c'est 2011 du Code civil, mais je vais en parler après. Et ce qu'on appelle devenir un auto-entrepreneur. Alors, je vais vous retrouver les articles, mais c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est en quelque part, c'est le fait qu'une personne va affecter des biens à une activité précise, mais sans que cette activité précise ne dispose de personnalité juridique. Voilà. Donc c'est pas la société unipersonnelle. La société unipersonnelle, c'est une société dans laquelle finalement il y a un seul associé. Mais c'est une société, elle a donc une personnalité juridique. Donc c'est pas, on parle pas de ça. On parle finalement de ce mécanisme d'auto-entrepreneur qui est un mécanisme inspiré du droit européen très clairement libéral à la fin des années 90, néolibéral. Voilà, donc droit de la concurrence, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est du droit commercial. C'est une personne physique, donc vous, moi, machin, on peut s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés, dire qu'on est auto-entrepreneur, qu'on affecte des biens à l'exercice d'une activité économique donnée. Voilà. Donc, mais c'est bien le truc, c'est qu'ils sont affectés à une activité, mais qui n'a pas de personnalité, il n'y a rien. Les biens vous appartiennent, mais ils sont affectés. Donc ça pose quand même des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces biens? Donc ça, cette théorie, finalement, même on est un peu perdu dans notre tête, on ne comprend pas très bien. Bon. Il y a un autre mécanisme, alors le mécanisme de la fiducie, donc qui est l'article 2011 du Code civil, donc qui est facile à retenir, donc je vous le mettrai là. Alors l'article 2011 du Code civil nous instaure ce qu'on appelle le mécanisme du fiducie. Alors le fiducie, c'est un système qui est assez réservé à. Enfin, qui est réservé en fait que si vous avez. Moi, je pense que je pourrais avoir le fiducie, pas parce que je suis extrêmement riche, mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de choses. Donc, je pourrais utiliser ce mécanisme-là. En fait, le mécanisme du fiducie, c'est typiquement une personne physique qui va donner. En fait, qui a tellement. Enfin, qui a un patrimoine qui. Oh là là, ça me saoule, je vais donner ça à quelqu'un. Sauf qu'en fait, elle garde finalement les droits réels. Enfin, elle garde finalement son droit de propriété dessus. On considère que c'est toujours ses biens, vous allez voir, c'est compliqué. Mais les droits réels sont finalement confiés. L'exercice de ses droits sont confiés, restent dans sa personne, mais sont confiés finalement à des avocats ou à des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de fiducie. Alors, c'est un peu. Alors, il y a des exemples, par exemple, il y a la société, ce qu'on appelle Rolex, les montres Rolex, donc voilà, les montres Rolex, c'est pas une Rolex, hein, mais voilà. Les montres Rolex sont gérées par une société fiduciaire, voilà, donc c'est une fiducie, c'est une famille qui a donné la gestion finalement de ça, donc ça appartient à des personnes physiques en réalité, Rolex. C'est suisse, hein, c'est du droit suisse, mais voilà, c'est pour prendre un exemple, c'est voilà. Voilà, donc mécanisme du fiducie, donc ils sont, et avec le mécanisme de l'auto-entrepreneur, qui sont des atténuations finalement à ces deux principes-là, finalement de une personne un patrimoine, et de finalement de l'unité de votre patrimoine que vous allez garder à vie, et finalement de son caractère finalement que vous allez hériter. Enfin, finalement, moi j'ai. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc j'espère vous avoir expliqué le mécanisme, la théorie du patrimoine en 7 minutes, en 8 minutes. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Donc prochaine vidéo, je vais vous faire les res nullus, tout ça. Je vais essayer de voir de quoi je vous parle. Merci à vous de votre écoute. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse des vidéos plus longues ou pas. Merci de me répondre. Merci à vous. Merci de votre écoute.